Consulter le téléphone. Oui, ok. Hey, so when was the last time you used a payphone? Cause believe me, there's some things you don't want the FIB to hear. You know, things like contract killings, stock manipulation. You feel me? Cause see, I knew the dude that used to run the hits in this town, and he knew something most of the hatchet guys out there don't. The money only starts flowing when the stock market gets involved. Now, I got my share of high net worth individuals in my contact these days. And since we got our own partnership up and running, a few of them start hitting me up with propositions that be making me think, shit, I need to get back in the game. With me running the plays and you working the fields, man. So look, here's the deal. We take out some assholes who fucking deserve it anyway, which fixes the market in our own clients' favor, and then they send us some serious pay dirt. You got me? All you gotta do is pick up the phone. I'll give you the mark, and then I'll text you some details from the burner. You can do it however you want, but the clients pay extra if you do it just right. Sounds good? You ever heard of the show called Closet CEO? Where some asshole billionaire pretends to be one of his broke-ass employees for a day or two. But keep thinking about that, and then think about the CEO of Gold Coast Development. This dude is a world-class asshole, union-busting. Poor working conditions, corruption, intimidation, man, you name it. And check this out. Now he about to throw in some overalls and play nice for the workers on his site for the cameras. Now, full disclosure, I did some work a while ago that gave this asshole market value a boost, but that was before I heard what a piece of shit this fucker really is. So when a client came to me with a proposal to make some bills off liquidating his ass, man, I said, hell yeah. Our client gonna short the fuck out the Gold Coast Development stock, and we gonna ice this fool while he's playing construction worker for this dumbass show. The stock tank, our client get rich, we get paid. And if we make it look like he died because of some unsafe conditions on his site, makes it even better. Bon, on sait tous que c'est Franklin, hein. Il fait genre c'est quelqu'un d'autre, c'est comme Lester à l'époque. Donc on sait tous que c'est Franklin, contrat de téléphone PDG. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que cible? Assassiner la cible. Bon, ça ne va pas être compliqué. Hein. Donc, c'est une mission PDG qui va peut-être me rendre riche. Je ne sais pas du tout combien ça va me donner. Bonus d'assassinat, utilise des fusils à lunettes pour tirer sur les recettes. Vous allez avoir l'essence, éliminer la cible dans une explosion. Ok, donc la cible est un fumeur. Ah, j'ai déjà vu ça quelque part, la cible est un fumeur. C'est dans un film que nous... James Bond, je crois. C'est dans un film, tirer ça dans James Bond. Est-ce qu'il est loin ce fumeur? Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est loin? C'est bon, l'équipe planquée proximité peut vous aider à obtenir le bonus d'assassinat. Ok. Donc, il est à l'intérieur du chantier. Donc, pour ça, il y a un mec ici. Il est juste en bas. Il faut que vous ayez le voir. Ah, c'est bien indiqué quand même, hein? C'est très très bien indiqué, mais malgré tout ça, j'ai le risque de faire... Ah ok, d'accord, j'ai compris. Donc je dois aller à cette position, je dois monter en hauteur pour le cibler. Et après, bah, évidemment, il faut que je saute. Hein. J'espère que j'ai ma mon parachute. Allez, je monte tout en haut. J'y suis. Est-ce que je suis au bon emplacement pour avoir quelqu'un à cette distance? Donc il doit être par là. Ah c'est bon, je le vois. Mais si on met dans cette distance que le mec il est là, qu'est-ce que je dois tirer? Je le vois. Mais j'ai pas de ballon incendiaire.
J'ai pas de balance en l'air, alors sur quoi je dois tirer? Il m'a dit de descendre encore. Ok, je descends parce que je suis sur la bonne place, oui. Vas-y. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? La cible est juste là. Je le vois, mais qu'est-ce que je dois tirer? Parce que je vois pas ce que je dois tirer en fait. Vas-y, vas-y, mets-toi d'un côté où je dois exploser, s'il te plaît. Je regarde qu'est-ce qu'il y a. Ah non, c'est pas. Par contre, ça montre pas, hein. Il y a rien qui montre que je dois. Parce que de là, je peux la voir, hein. Mais qu'est-ce que je dois exploser? Voilà, c'est bon. Bonus d'assassinat manqué. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais j'espère quand même être bien payé. Allez, allez, on se casse. Je me casse. Parce qu'il n'y a rien qui est indiqué en fait pour me dire sur quoi je dois tirer pour que ça explose. Pourtant, j'ai pris précaution, hein. J'ai pris sniper. Mais bon, c'est pas sniper explosif, mais sniper normal, mais juste pour voir si je tire sur. Je sais pas moi, sur un tonneau, un truc comme ça, que ça explose, quoi. 30 000, contrat terminé. Bon, bonus d'assassinat, j'en ai pas. Tant pis. Donc j'ai mis en moins de 5 minutes 30 le temps. Paiement total 30 000. Bon, 30 000, c'est pas rien, hein. Hey, what's up? Just calling with regards to our recent business venture. Shit, the money should be with you by now. Our client expressed a little disappointment, man, that you didn't follow through with all the details. But hey, shit, the job got done. And we got paid, so keep your ears to the ground for more work. Or hit me up, and I'll see what I got for you, alright? Ah, ben tant pis, hein, mais bon, on m'a dit d'assassiner un client, ben voilà, c'est fait. De quoi ce plan? C'est pas parce qu'il a dit que je dois exploser quelque part que ça marche pas, hein. Il est mort, c'est tout ce qui compte. Bon, ben voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur like. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si toi tu passes par là, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao.